quatre morceaux. Il y a Underground, il y a Escape, il y a Bad Trip, et puis il y en a un autre, il est très loin. C'est une cuisine, il est là. C'est Overture. Voilà, c'est combien de parties maximum? Il y en a jusqu'à 4, mais il n'y en a qu'une seule fois où il y a 4. Ah bon, on va préparer 4 fois 10 pistes. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, quand on attaque le deuxième morceau avec 8 prises, tu reviens à 0. Le film, il était pratiquement, enfin, il était en cours de montage, très avancé déjà. Et mis à part la séquence de départ avec l'arpège de piano, qu'on entend, qui revient dans le générique de fin, tout le reste, j'avais proposé une espèce de gimmick lancinant de guitare qui se serait dégradé au fur et à mesure, etc. En fait, il s'avère que cette séquence est très différente du reste du film. J'ai fait la musique qui est sortie, comme ça, sans réfléchir, assez thématique, très épurée, et ça, ça faisait un effet très intéressant. La suite du film, je l'ai découverte au fur et à mesure, et beaucoup de questions se sont posées avec des réalisateurs. Le thème de départ se démarque tout simplement parce que le film le veut et que le film lui-même est très différent à partir du moment où on arrive dans la maison. En fait, le thème éloigne du réalisme du film. Le thème magnifie, le thème renvoie à autre chose. Et ce que le réalisateur voulait, c'était qu'on reste tout le temps collé à la peur des personnages. Toute chose thématique pouvait distraire ou éloigner. Des choses plus organiques, plus qui fassent peur et qui ne soient pas construites du tout, ni harmoniquement, ni mélodiquement. C'est quelque chose qui est une espèce de magma où il y a plein de sons qui se mélangent dans tous les sens. Par rapport à la façon dont je travaille d'habitude, on est allé vers plus d'effets, plus de traitements qui salissent encore plus les sons. D'ailleurs, pour une fois, j'ai fini de salir les sons moi-même parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez sales. Donc, comme je n'ai pas la finesse de certains ingénieurs du son pour régler, ça tombait très bien puisque finalement, il suffisait d'aller jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus les instruments pour que ça devienne vraiment angoissant. C'est un travail de laboratoire, donc on travaille beaucoup chez soi. On travaille aussi beaucoup en studio avec des gens qui nous aident. Je travaille avec Philippe Avril et je travaille avec Guillaume Thomas qui m'a aidé à faire des programmations. Et j'en ai fait aussi beaucoup moi-même. Après, c'était un peu de la peinture. C'est-à-dire que je prenais les effets, je prenais les instruments, et on les distordait, on les passait dans des plugins, pour réussir à faire des choses de plus en plus bizarres.
Moi, ce que j'aimerais, c'est sentir que par moment, le son il est réel, mais qu'il devient irréel. Ou le contraire. C'est-à-dire, on croit que c'est du synthé, puis d'un seul coup, on entend que c'est un vrai instrument, dans le même effet. Je crois que j'ai jamais fait une musique de film aussi, aussi déstructurée, quoi. D'instruments acoustiques, un orchestre à cordes, une vraie harpe, un vrai piano avec un très beau son, des percussions, et même plein d'instruments qu'on n'a pratiquement pas utilisés, mais ça c'est pas grave, parce que ça fait partie du jeu. Il y a certains effets qui ont été faits avec, qui sont partis de machines ou d'autres échantillons, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont venues en déformant les matières que j'avais enregistrées. Il y a même des passages où j'ai pris l'orchestre à cordes qui était vraiment très beau et très bien enregistré et où je, à force de le triturer, je l'ai transformé en quelque chose qui aurait pu être du synthé. Au moins, on est sûr d'avoir quelque chose de particulier. J'adore faire des mélanges, j'adore mélanger des instruments classiques avec des instruments pas classiques et puis mélanger tout ça avec des bidouillages plus moderne, plus synthétique. C'est à chaque fois faire une musique différente avec des ingrédients différents. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de me forcer à utiliser des instruments que je ne connais pas. Ceci étant, c'est vrai que j'ai quand même un grand amour des gens qui jouent des instruments. Ça vaut beaucoup plus que de bidouiller des machines pendant des heures et des heures, même si bidouiller des machines pendant des heures et des heures et des mois, je le fais de toute façon. Mais pour moi, une musique n'est pas épanouissante s'il n'y a pas une grosse composante acoustique, de gens qui jouent. Quand je dis acoustique, ça peut aussi être des instruments électriques. Une guitare électrique, pour moi, c'est un instrument. Acoustique, c'est un vrai instrument. Donc, où commence l'instrument où commence... En fait, quand un instrument a été joué souvent et qui revient avec un son reconnaissable, pour moi, c'est un instrument. Et la personne qui en joue est un instrumentiste. Et en plus, moi, j'adore jouer plein de choses. Donc, s'enlever ce plaisir, ce serait vraiment très dommage.